Salut à tous, véritable couteau suisse, la SR DI Ampeg, comprenez Scrambler DI, est certainement l'une des meilleures DI jamais conçues pour les bassistes, et bien plus encore, car nous allons voir que c'est aussi un préampli qui vous offre les sonorités Ampeg mythiques, allant de la douceur des portaflex à la richesse harmonique des SVT. On peut voir au premier coup d'œil que la SR DI est taillée pour la scène et la route, avec son solide châssis moulé en zinc compact qui protège ses composants, ou encore ses switches en métal. La connectique est extrêmement riche et je vous propose tout de suite d'en faire rapidement le tour. On trouve sur le côté gauche une sortie symétrique XLR avec coupe-terre pour pouvoir vous connecter notamment à une console de façade. Ensuite, une sortie line-out au format jack qui tient compte de vos réglages de pédales pour vous relier par exemple à un ampli ou un enregistreur multipiste. Et pour finir, une prise casque au format mini-jack qui vous permettra entre autres de vous exercer sans alerter votre voisinage. Sur le côté droit, on trouve une entrée au format jack pour votre basse, une sortie trou en jack également qui, elle, envoie un signal brut non traité, et pour finir, une entrée auxiliaire avec au choix une entrée en mini jack ou en jack pour y relier par exemple un smartphone avec vos séquences favorites ou encore une boîte à rythme. On retrouve sur le dessus la section préampli avec les réglages traditionnels Ampeg de volume et de tonalité, les fameux ultra high et ultra low, ainsi qu'un bouton de réglage du volume de l'entrée auxiliaire. Toute cette section peut être mise en ou hors service grâce à l'interrupteur au pied on-off qui se trouve ici. Comme son nom l'indique, la Scrambler DI possède une section overdrive indépendante appelée Scrambler. Elle est dotée d'un réglage de drive ou saturation et de blend, c'est-à-dire de mélange entre le son clair et le son saturé. Le tout, bien sûr, déclenchable au pied grâce à cet interrupteur. La SR DI peut être alimentée via un adaptateur 9V vendu en option ou encore par une simple pile 9V que vous pouvez atteindre facilement en démontant le couvercle du dessous de la pédale. À noter que vous trouverez aussi à l'intérieur le pad d'atténuation de 15 dB. Voilà, il est temps maintenant d'écouter ce que la bête a dans le ventre. Pour commencer, écoutons le son de la basse brute sans traitement. Le son que vous écoutez est bien évidemment directement pris à la sortie XLR de la SR DI. Je vais maintenant enclencher la section préampli de la SR DI afin de vous faire écouter les possibilités de réglage des sons à partir des réglages de tonalité et des boutons ultra high et ultra low. Nous allons maintenant nous intéresser à la section Scrambler en jouant sur les réglages de drive et de blend.
Sur scène, en studio ou en répétition, la SR DI Ampeg est un outil indispensable qui s'adapte, grâce à sa connectique complète, à tous les contextes de jeu. Son châssis en zinc compact et ses composants robustes vous accompagneront dans tous vos déplacements sans jamais faiblir. Cette DI surdouée est le meilleur moyen d'avoir le son Ampeg dans toutes les situations et styles de jeu, et ce, dans un format de poche.